Mais c'est comment? Tu étais où, Annick? Bonne année. Depuis, tu as porté disparu. C'est comment tu étais? Tu m'avais seulement fui ou quoi? Eh oh, Annick. Je suis à la cuisine, je suis en mode de préparer. Je ne peux pas le contraire. On dit que la vie, c'est des expériences. On dit que la vie, c'est des expériences. Je ne peux pas le contraire. Bonjour Guy Moïse. Bonjour, bonjour, partagez le direct. On va parler des influenceuses. Les influenceuses de Pomba. Les influenceuses de Pomba. Bonsoir Ouazabanga. Bonsoir Guizot Parfait. Bonsoir. Les friperies. C'est toi qui vois que c'est les friperies. Les filles sont payées, sont logées en classe business. Hein. C'est pas n'importe laquelle. Hein. Elles sont pas n'importe laquelle. Hein. Tu appelles quoi les friperies? Ça, c'est les... Il me fait déjà rire. La peine n'a pas encore commencé, il me fait déjà rire que les friperies sont en rue pour le Cameroun. C'est même les filles là comme ça qui vont porter la canne là pour nous donner. Bonjour Marie-Laure. La canne là, c'est elles-mêmes qui vont porter ça pour nous donner. Ha ha! S'amuser. Vous êtes là, vous sous-estimez les gens. Ha. Les influenceurs ont trouvé leur rôle le tout si. C'est vous qui sous-estimez les gens. Vous ne connaissez pas la force et l'importance des gens. Nous, on les simplifie ici, alors que le gouvernement camerounais les prend vraiment au sérieux. Ha. Voilà les filles à qui on a offert les billets d'avion jusqu'à dire que bonjour Borel. Bonjour Zoé Paradis. Partagez le direct, pardon. On fait le japap, on quitte sur ça. On va dire que nous sommes jalouses. Bonjour Borel. Ouais. Laisse la tu t'amuses avec Magazon. Magazon est au Cameroun. Invité d'honneur de la CAN. Bonjour Jacqueline. Bonjour, bonjour ma guerrière. Magazon est au Cameroun pour la CAN. Ce sont les représentatrices, ce sont les invités VIP du gouvernement. Vous allez vous amuser avec eux. Vous vous amusez. Là où tu comprends que le pays à l'envers, c'est que les gens qui parlent des vraies choses importantes, telles que les Richard Bona, les Valsero, les personnalités, quoi, les Ningolo, les personnalités, c'est même pas parce qu'ils critiquent, mais c'est les personnalités du pays. Qui doivent être invités au pays pour comment dirais-je, nos grandes personnalités, les gens, comment on dit, les vrais gens. On les met au placard, on ramasse les 12 ou ouais, pardon. Et les Muriel Blanc disaient qu'elles sont influenceuses. Jusqu'à quand vous voulez même les boycotter ici? Les gens voulaient même nous gifler que vous boycottez nos stars. Ma personne. Ça, je fais le congrès ce soir. Je suis dans un dangereux congrès. C'est le congrès des influenceuses. On me dépasse, Marie. Bonne année, Blanchard. Bonne année Blanchard, Blanchard, bonne année, bonjour, bonjour. Partageons d'abord le direct avant de commencer les japas, parce que sans qu'on va mourir de rire. Parce que vraiment, notre pays, c'est le pays où les choses vont plutôt à l'envers. C'est-à-dire que moi, un événement comme la CAN, en toute logique, on doit inviter. C'est toi qui vois qu'elles sont fatiguées à des bailleurs. Les grands écarts que les filles là font, même toi-même, tu ne peux pas faire. Même les filles les distants ne peuvent pas faire. Elles vont aller expliquer aux joueurs. Et expliquer au ministre comment on utilise le goat et à quoi sert le fouettement à quoi sert le wangala. Tu es là, tu dis que ce sont les friperies, friperies. C'est toi qui vois qu'elles sont friperies. Coucou Marie-Jeanne, coucou ma Lionne, c'est comment? Les oignons piquent mes yeux. Ah là 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 là. Les influenceuses de Pomba. Ah, est-ce là pour vous amuser? On les a longtemps négligés. On les a longtemps manqué de respect ici en diaspora. Oui, ça, on va manger le congrès demain. Je suis dans une expérience très très forte. J'ai appelé que le Cameroun pour qu'on me donne la recette du congrès.
C'est comme ça que j'ai posé au feu. C'est demain que les gens vont confirmer le code. Ils vont me dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Moi, il a moi posé au feu. Ça va même dormir qu'au feu. Apparemment, que ça dort au feu. Comme ça, le plantain devient. Le plantain devient moumou. Ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Sérieusement, ce n'est pas. Ce n'est pas le genre qu'on dit que critiquer pour critiquer, non. Ou bien ce n'est pas parce qu'on va dire que oui, vous êtes jalouse. Bonjour Marie-Thérèse. Quand on va dire que vous êtes jalouse, vous les vieilles filles là, vous êtes avec les grosses mamans là, vous êtes vieilles, avec les cheveux blancs partout, vous êtes jalouse de ces filles. Franchement, ce n'est même pas un problème de jalousie. C'est un problème d'image d'un pays. Il dit que ils vont fouetter le Kouéptou. Elle dit qu'ils vont. Non, ça c'est la canne du Kouéptou. C'est la canne du piment. La canne de la pimenterie. En tout cas. Partagez. Partagez jusqu'à ce qu'on soit à 100 avant qu'on commence le vrai japapa. Parce qu'après, même ouvrir la ligne. Comme ça, les gens qui veulent faire le japapa, même on va faire le japapa ensemble. Il y a quoi? Il y a quoi? Hein, c'est notre pays, non? C'est notre pays. Donc on a le droit de. Mylène, Mylène, pardon, laisse-moi, je suis concentré dans un dangereux congrès et puis je suis en train de boire du vin. Donc, moi, je célèbre les influenceurs, je vais même les suivre. Parce que, après, on dit que je suis jalouse d'elle. Que comme je suis là, vieille peau, moche, grosse, je suis certainement jalouse d'elle. Donc, vraiment, je dois que les suivre. Ah! Oh là 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 là! Avec les bêtes filles qui supportent la maf au PDG, qui m'insultaient hier en disant que on va bloquer ta page. Bonjour Christine, bonjour Jospin, bonjour Marie-Claire. On va bloquer ta page, on va signaler ta page. Hein? Enlève maf dans vos bêtises là. C'est alors le 9, le 6 renversé même qui a acheté le billet de la maf. Vous vous amusez. On a mis alors le roi des pédophiles, le roi, même le chef de la prostitution à la FECAFOOT. Bonsoir Collins. On a mis alors le roi, le pape. Là, il dit que c'est lui qui fabrique les prostis. Les prostes. À la FECA foot. Dans le Cameroun n'a pas de vrais gens. Le Cameroun n'a pas de personnalité qu'on peut inviter comme ça à l'occasion d'un événement pareil comme ça pour venir être dans les tribunes d'honneur. Pour venir représenter valablement le Cameroun. Non, on n'en a pas. On a que les. Ouais. On dit que quand tu n'as pas le choix, tu prends seulement. On dit ça, dit. Je ne sais pas si mon ami, si le tonton Ayolo de la présidence là, peut-être que quand il regarde les femmes en Europe ou même camerounaises, peut-être que ce n'est que celle-là qu'il voit. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il peut nous faire ça. Donc, je t'ai dit que quand il regarde le Cameroun, il regarde toutes les femmes qu'il y a au Cameroun. Ce n'est que les couples là qu'il a vu. Voilà quelqu'un qui dit qu'il me drague depuis 2018. Mon fils, pardon, ne cherche pas la crise cardiaque. L'étoile cribienne a fait tout. Mais Mbondo, maintenant Mbondo, il aime quand même ce qui est un peu. Il n'aime pas la peau. En tout cas, elle est trop Djanga, dis donc. Et ça, c'est le genre que nos frères, ils aiment là. Le genre qu'on prie partout. Étoile cribienne, pas encore même quelques kilos, ma soeur. Ça peut être que. Peut-être on va t'inviter pour la finale. Voilà. Peut-être que pour la finale, on pourra l'inviter. Bonsoir Jean Gaëtan. Partagez le direct. Hein. Bonsoir Georges. Dès qu'on est à 100, on commence à rigoler. Parce que pour moi, je pense que ce n'est même pas dit. Les gens sont tellement cons, feignants dans ce gouvernement qu'ils ne se rendent même pas compte. Non seulement qu'ils se ridiculisent, mais qu'ils salissent même l'image de notre pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on doit pleurer? Nguida, tu vois, c'est comment mon grand? Est-ce qu'on doit pleurer?
On ne peut pas pleurer, on doit seulement en rigoler parce qu'en fait, si on se dit qu'on pleure, on a déjà tellement des choses qui nous font pleurer que quand on voit des bêtises pareilles, on se dit, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des gens? Qu'est-ce qui peut bien se... Tu as trouvé? Non. Ah ouais. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans leur tête? Ah, car laisse-nous aller avec l'affaire de Jiang San, Mylène. Moi-même, je fais le Jiang San. Qu'est-ce que tu viens de parler? Tu viens de parler de Jiang San dans l'affaire ici. Est-ce que c'est le Jiang San là qu'on parle? Quand j'ai fait le Jiang San ou pas, oh, c'est le Kweptou qui parle. Hein? Quand j'ai fait le Jiang San ou pas, c'est le Kweptou qui parle. Donc, Mylène, laisse-nous aller l'affaire de Jiang San, s'il te plaît. Tu sais pas comment je suis la reine du Jiang San? Hein, qu'est-ce qu'il y a? C'est le Kweptou qui parle. C'est même quand tu vois, on parle à l'île Zongombel. Maman, dans la diaspora, si que nous sommes là comme ça, la diaspora que je vois, des femmes camerounaises à des postes pas possibles, des femmes camerounaises qui font des métiers, des femmes camerounaises qui ont des associations, qui ont des entreprises. Et c'est l'incomplet là qu'on peut prendre. Elle dit, ce n'est pas que je veux dire qu'on doit seulement prendre peut-être les intellectuels ou bien celles qui sont allées à l'école. Non, on doit prendre un peu de tout, on doit prendre les gens qui ont réussi sans être allés à l'école, c'est normal. Mais on doit quand même tenir compte, c'est-à-dire de l'éthique morale en fait. De l'éthique, c'est-à-dire que quelle image est-ce qu'on renvoie à notre jeunesse? Quelle image est-ce qu'on renvoie à notre peuple? C'est un peu de ça qu'il est question, c'est-à-dire quelle image? Quelle image est-ce qu'on renvoie? Est-ce qu'on renvoie l'image des femmes qui côté moralité, c'est zéro. C'est-à-dire des femmes qui encouragent... je sais pas, le commerce de la chair, les femmes qui... Attends, mais au moins, vraiment, c'est-à-dire, non, mais attends, je me dis quand même que même quand on vient quelque part, quand on fait un casting... Moi, je sais que, par exemple, ici, quand on fait même l'affaire de Miss France, on dit que les gens qui ont même fait les vidéos où tu te déshabilles, ce sont des critères qui peuvent te disqualifier parce que on se dit que tu dois quand même avoir certains critères. C'est-à-dire, des femmes accomplies. Quand on dit femme accomplie, ce n'est pas que, voilà, tu dois être mariée, mère de trois enfants, avec le boulot, tout. Non, mais des femmes accomplies dans... Bonjour, Paul Moifoy, bonne année. Accomplies dans un sens... C'est-à-dire, les femmes qui font la part des choses, c'est-à-dire qui sont un peu une image, l'image de réussite d'un pays. C'est comme ça que moi je pense. C'est-à-dire qu'on m'aurait dit aujourd'hui qu'on a invité Richard Bonnard en tant qu'invité d'honneur pour la Cannes. Je jubilerais. Parce que je me dis que lui, voilà quelqu'un qui est mondialement connu et qui sublime l'image même de notre pays. Et que c'est normal, par exemple, qu'on invite quelqu'un comme... Richard Bonnard comme ça à un événement pareil qu'on invite, qu'on dise que oui effectivement, voilà les Camerounais qui à l'international, qui mondialement rehausse l'image du Cameroun. Mais vous voyez que les gens tiennent seulement compte que oui, oh non, Richard Bonnard il nous critique, oh c'est un critiqueur, oh c'est ceci, donc du coup on ne peut pas l'inviter. Je suis estomaqué par le casting de Mvondo Ayolo. Je suis d'abord son ami, le ministre, où c'est moi et les quoi a commencé avec il a pas encore pris un peu, ça dit oui, un peu biscuit et Nathalie. Bon, c'est vrai que quand on dit les affaires là, c'est un peu palier par palier, non? Il y a palier, c'est-à-dire que quand tu montes, plus tu montes les escaliers, plus quand même tu trouves quelque chose d'un peu plus soft, d'un peu plus esthétique, d'un peu plus... Voilà. Donc, le ministre de la jeunesse, de la jeunesse des sports, avait pris que les Nathalie, donc il a laissé que le Lassie Market pour Mvondo Ayolo. Il a dit que lui, il a quand même regardé le casting. Il a dit que bon, ben, il prend des fraîches si. Ah oui, je prends un peu celles-là qui sont non seulement que physiquement, elles sont encore présentables, elles sont encore. Donc, je prends les fraîches et je laisse le reste là, le lacimaquette là, à mon ami Mvondo Ayolo. Voilà en quoi se résume quand on dit les gens qui vont.
qui représentent, qui influencent l'image de notre pays. Donc c'est eux là-bas. Donc c'est eux là-bas. Cameroun. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je suis une femme. Que quelqu'un soit une pimentière pour nous, pour elle et sa famille, ça ne me dérange pas. Mais qu'on en prend pour faire le symbole d'un pays, ça devient un problème. Oui. Je ne cherche pas à savoir qu'elle vend le piment ou pas, qu'elle continue à vendre le piment. Mais qu'on en prend pour faire l'exemple dans un pays pour promouvoir. Je dis non, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Laissons de côté les histoires de sous-quartier. Oui, vous êtes jalouse. Oui, non, laissons de côté ça. Franchement, ça n'a rien à voir. Il s'agit de notre pays. Il est clair que je suis contre cette canne. Mais de là, vous avez vu le premier lion qu'on a fait, la maquette, où c'était la chèvre, où c'était le totem de quoi qu'on a mis, qui était le lion avec les pieds en l'air, c'était des pattes de coq et tout. Malgré que nous sommes contre la canne, on a critiqué, parce qu'on trouvait que ça ne représente pas l'image de notre pays. On a critiqué. Au final, ils ont changé. Ils ont fait 3, 4, 5 essais pour arriver finalement au bon lion. Mais là, Non. On ne peut pas réduire un peuple à ça. On ne peut pas. C'est vrai qu'on sait que tout au pays tourne autour du piment. Elle dit pour avoir un poste, c'est le piment. Pour avancer, c'est le piment. Pour avoir le diplôme, c'est le piment. Pour avoir tout, c'est le piment. C'est-à-dire que c'est la République de la pimenterie. Mais on ne peut pas nous officialiser ça comme ça jusqu'à ce qu'on laisse. On ne peut pas nous officialiser cela comme ça. Non. On a des... En fait, mais comment? On a des... Je ne sais pas. Il y a des gens... qui font des qui écrivent des choses sur Facebook qui est c'est lu par des gens du monde entier. Je préfère encore qu'on invite des grands des journalistes, des reporters, des médecins, des grands avocats, des gens que quand ton enfant regarde comme ça, ton enfant dit que ah oui, moi aussi j'aimerais être comme ça. Mais on nous ramasse les raclus, les fonds de tiroir. On nous ramasse les fonds des tiroirs, excusez-moi. Je ne veux pas être méchante. Ce n'est pas une histoire. On ramasse les fonds de tiroirs. On achète et le billet d'avion. Et d'autres même exigent qu'on doit les loger. Même si, ça dit que même si les fonds ne dépassaient pas 50 ans, mon pollen à des bailleurs, même si ça ne dépassait pas 50 ans, la moralité. Je veux bien comprendre qu'on parle des gens qui ont une influence sur la toile. Mais il y a influence positive et influence négative sur la toile. Il y a des gens sur la toile qui parlent des choses importantes, qui parlent, qui sont là peut-être pour donner des conseils, qui sont là pour avec des gens positifs, des gens qui disent des choses qui peuvent aider la société, mais pas des gens qui sont là pour d'expliquer comment le piment avait fait, comment il faut faire, comment faire pour utiliser un goat. Non. Donc, dans tout notre pays, là, 30 millions d'habitants, on n'a pas de vrais gens. Donc, on n'a personne qui peut nous représenter valablement. On n'en a pas. Donc, vous voulez nous faire comprendre qu'on n'en a pas. Non, on n'en a pas. Donc, on n'en a pas. Donc, en fait, dans notre guide touristique du Cameroun, on doit mettre la Mafo, on doit mettre Tata Lolo, on doit mettre Aline Zongobem, on doit mettre la Veuve Joyeuse. Ah, ça, c'est notre... Oui. Dans notre guide touristique, voilà les gens qu'on doit mettre. Voilà les gens qu'on doit mettre. Parce que c'est eux qui représentent notre pays. Quand on les ramasse, on vient ramasser les fonds des tiroirs en France pour nous représenter à la CAN. Ça veut dire que dans notre guide touristique, voilà les gens qu'on doit mettre. C'est-à-dire que quand on doit aligner les personnalités à la tribune d'honneur, voilà les visages qu'on va rester et regarder. Donc quand les gens qui sont à l'étranger, qui sont à l'extérieur, cérémonie d'ouverture, tribune d'honneur, c'est les gens là qu'on va voir. Donc, c'est là qu'on va voir. Quand je pense que on a coupé les taxes, on a fait payer les pourcentages de ceci et les pourcentages. Donc, c'était pour ça. Voilà quelqu'un qui m'a dit que je suis jalouse. Je suis jalouse de quoi, mon frère? Jalouse de quoi? Je suis jalouse d'une femme qui va venir expliquer aux autres comment on fait pour utiliser le goat. Je suis jalouse de ça? Je suis jalouse de quoi? Parce qu'on a offert un billet d'avion. C'est ça, en fait, donc je suis la personne qui a offert un billet d'avion, non, tout au contraire, je ne suis pas jalouse, je suis plutôt
J'ai honte plutôt pour mon pays. J'ai plutôt honte pour mon pays. En fait, parce que mon pays mérite mieux que ça. Mon pays, il y a des Camerounais dehors. Il y a des Camerounais dehors. Quand tu dis qu'il y a des Camerounais dehors, il y a des Camerounais dehors. Oui, il y en a. Il y en a. Il y a des vrais Camerounais dehors. Des gens qui ont une éthique. Des gens qui ont reçu une éducation. Quand je dis que ce sont les vendeuses de piments, ce n'est pas pour dire que je n'ai peut-être, ou bien que je suis mieux comment dirais-je. Non, mais c'est tout simplement que non. Il y a des choses que nous tous, nous devrions nous abstenir de faire la propagande sur la toile. Et du moment où on fait la propagande de ça sur la toile, on doit être classé dans une catégorie de personnes tout simplement. Et ce n'est pas dans ce genre de personnes qu'on doit venir prendre pour aller représenter l'image d'un pays, tout simplement. Voilà. Voilà. Je veux bien que, je ne sais pas, qu'on... On offre des billets d'avion, on offre des séjours dans des villas luxueux à des personnes. Mais en fait, on fait même tout ça pourquoi? On les offre des billets d'avion pourquoi? On les loge pourquoi? Leur rôle, c'est quoi? C'est quoi leur rôle? C'est quoi leur rôle, au fait? C'est elles qui vont jouer? Je ne sais pas, c'est quoi leur rôle? Vous voyez un pays, l'argent qu'on a de jeter par les fenêtres là, ça aurait pu servir à autre chose. Quand tu vois comment les gens sont en train de mourir au Cameroun, de pleurer, les gens, il y a de cela quelques jours, je m'en tournais encore dit ce matin, une fille était confisquée à l'hôpital pour 400 000 francs. Mais on a confisqué la fille à l'hôpital pour 400 000 francs. Donc, Vondo Ayolo n'a pas dit la fille à l'hôpital pour 400 000 francs, qu'on a confisqué pour 400 000 francs. Donc, Vondo Ayolo ne l'a pas vu, il ne peut pas aller payer les 400 000 francs là. Il ne pouvait pas aller payer. Non. Eh, hey, Fleur de Lille, c'est le 9, c'est le 6 renversé qui a acheté son billet, hein, elle et ses trois copines. Donc, ne parle pas, c'est-à-dire que, comme on dit que l'affaire là, c'est étage par étage, c'est-à-dire qu'il y a l'étage d'en bas, il y a l'étage du milieu, et puis. Donc, ce n'est pas, c'est le 9 renversé qui a pris lui-même le dossier de Fleur de Lille, et puis elle a des exigences. Elle veut une villa, et tout, avec des domestiques, et tout. Et, non, hé, hey, ne vous amusez pas, hein. Ne vous amusez pas. Ah, mon ami Ndedison, tu es arrivé. Ah, il rit, Bédéka, il rigole. Tu vois le combat que tu vois là, mon père. C'est toi, moi, nous tous là. On va y arriver. Malgré nos divergences. Bon, bref, ce n'est qu'une parenthèse. Tu as fait ma fête. Tu m'as même bloqué. Mais on est là. Je ne fais que te taguer depuis pour te dire que... Minayou. On va seulement que courir. Parce qu'on est là, on est là pour le changement, non. Tant que je n'ai pas la preuve que tu n'es pas là pour le changement, on est là pour le changement. Donc, tu peux me détester n'importe comment. On va seulement se retrouver. Voilà. Donc, c'est les gens là comme ça qu'on a ramassés. Elles sont exigeantes. D'autres ont demandé, Freud, il a demandé qu'il faut une belle maison. Meubler tout. Elles ne dorment pas dans les sous-quartiers. Exigence. Et le neuf renversé a pris l'affaire à main. L'argent de ma mère, ça me fait mal parce que c'est l'argent de ma mère qu'on a en train de gaspiller comme ça. Oui, c'est l'argent de ma mère qu'on a en train de gaspiller comme ça. Ça me fait très très mal. Je me dis, si on doit offrir aux gens la possibilité d'aller regarder des matchs gratuitement, ce n'est pas à ces gens en fait, c'est pas à eux. Ce n'est pas que vous venez à l'étranger, prendre les gens à l'étranger pour les ramener au Cameroun, pour les offrir l'entrée gratuite et des hôtels et de ceci et de cela. Mais c'est quoi? Ça sert à quoi? Je veux bien comprendre à quoi cela sert. Ça nous apporte quoi comme plus-value? Ça apporte quoi comme plus-value à notre pays? C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'on ait invité celle-là, c'est qui? Veuve joyeuse. On va dire, ah ouais, vous savez, oulala, on a invité une grande blogueuse camerounaise internationale. Elle a l'habitude de passer dans telle chaîne. Elle a l'habitude de faire des choses. Cette blogueuse a son actif telle chose. Voilà un peu la plus-value que des choses comme ça peuvent nous apporter. Mais tous les qualan qu'on a invité là, ça nous apporte quoi comme plus-value? Voilà le truc.
Tu sais, Guy, même. Tu me donnes quel exemple, Dédisson, là? Tu me donnes quel exemple? Tu sais, quand si je voulais me désabonner de la page, je me serais désabonné de la page depuis. Donc, je reçois toujours et toujours les notifications de cette page. Et à chaque fois que je reçois des notifications, je viens d'abord suivre. Si le sujet est intéressant, j'écoute. Si c'est pas intéressant, je pars. J'ai des notifications. Donc, si j'avais voulu. Si c'était pas une page de combat, je me serais désabonné de la page depuis. Tu es bien d'accord avec moi que si je suis encore abonné sur la page, ça veut dire que quelque part, je reste consciente que c'est une page de combat et que nous sommes ensemble malgré nos divergences. Oui, tout simplement. Sinon, je me serais déjà désabonné de la page depuis. Je continue à recevoir des notifications. J'aurais pu manipuler mon téléphone et ne plus recevoir des notifications de la page, mais je continue à les recevoir malgré tout parce qu'en fait, je sais pourquoi je les reçois. Parce que je veux bien les recevoir. Si je ne voulais pas, je sais quoi faire pour ne plus les recevoir. Donc, si tu estimes que je suis derrière la fenêtre, c'est parce que je veux d'abord m'abreuver du sujet, savoir si c'est intéressant. Et si c'est intéressant, je reste. Si c'est pas intéressant, je continue mon chemin. C'est un peu comme ça. Voilà, mais tu faisais comme si peut-être je venais faire un coup d'état. Non. Tu as peut-être été surpris. Et la réaction a été vraiment un peu déplacée. Mais moi, je m'en fiche. Je vais être dans toutes les pages qui me plaisent. Du moment où on me laisse encore avoir accès à cette page, ça veut dire que je ne suis pas l'ennemi d'État dont on parle. Voilà. Bon, bref, c'était qu'une parenthèse et lui et moi, on se comprend. Voilà. Donc, effectivement, au jour d'aujourd'hui, notre gouvernement, hormis sur le plan politique, qui est complètement raté, mais sur tous les plans, c'est que. C'est vraiment que de la boue. On ne nous traîne que dans la boue. On ne nous traîne que dans la boue. Comment comprendre que ces gens soient les personnes qui représentent l'image. Jusqu'à l'heure que dans l'avion, est-ce qu'elle a croisé un joueur ivoirien? Elle a discuté avec lui, elle a mis la vidéo. Ouais! Notre pays, voilà notre pays, notre beau pays, notre cher pays. Même si on combat le régime, même si on déteste les dirigeants, on aime notre pays. C'est pour ça qu'on veut que les choses changent. C'est pour ça qu'on veut que les choses changent. Justement, on critique parce qu'on veut que les choses changent. Mais comment est-ce qu'on peut critiquer les gens en train de les faire comprendre que non, c'est pas comme ça qu'on fait. On ne prenait pas le bon exemple. C'est-à-dire, on ne peut pas être en train de promouvoir la médiocrité. Et bim, il tombe que dedans. Bonsoir, Dédisona. Bonsoir, papa. Bon, au revoir. Tu sais, si tu passes, me dis bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas de souci, mon grand. On est ensemble. Voilà à quoi est réduit notre pays. Dieu. Oh, elle a raté son vol. Oh, ceci, cela. Et le 9 renversé est sorti tel Jésus. Il a dit, je prends tout en charge. Il a refait encore, acheté notre billet d'avion. Et elle a exigé même qu'on la loge dans un endroit VIP. On peut la loger n'importe où. Quand je pense qu'il y a de cela quelques jours, on nous montrait les gens qui étaient en train de puiser, de ramasser dans la rigole. Quand je pense qu'il y a quelques jours, une femme était séquestrée à l'hôpital. Elle a accouché, il manquait 400 000 francs. C'est quelqu'un ici en diaspora qui a envoyé. Donc, Vondo Ayolo était comme ça, la présidente avec tout l'argent, il ne pouvait pas payer. Il aide quoi sur les gens de la diaspora au lieu d'aider les gens qui sont au pays? En toute logique, ce n'est pas les influenceurs de la diaspora. C'est-à-dire que moi, je pense tout simplement que chacun de nous, avec l'esprit patriote, avec l'amour du Cameroun, achèterait son billet d'avion tout simplement et ira voir le match. Et puis maintenant, je pense que la seule chose qu'on peut encore faire, c'est de vous loger, vous offrir des places VIP la tribune présidentielle au stade. Mais de dire, d'acheter le billet d'avion et puis les loger, c'est comme si c'était elle qui partait même jouer le foot. Ça sert à quoi? C'est-à-dire de prendre notre argent, on achète le billet d'avion, on paye un logement, ça sert à quoi? En toute logique, c'est à nous
Bonjour, Ginette Yossa. C'était à nous-mêmes d'acheter notre billet d'avion. Et puis peut-être le gouvernement a dit oui. Si je, par exemple, quelqu'un, une personnalité comme. Si j'étais une personnalité, je mets peut-être sur ma page Facebook. Oui, le canne, quoi, Total Énergie, quoi. Voilà, je serai au Cameroun, en tête, tête, tête. Et puis, ces gens entrent en contact avec moi. C'est-à-dire, la cellule comme entre en contact avec moi. Dit, ah oui! Ah oui, tu seras au Cameroun. Oui, d'accord, on t'offre peut-être la tribune présidentielle pour le match d'ouverture. Et tout et tout et tout. Mais ce n'est pas qu'en même temps, on vous offre le billet, on vous offre le logement, on vous offre tout. Mais, et on dit que le pays a la, on dit qu'il y a la crise au pays. On dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est parce que ce sont ces gens qui ont confisqué notre argent. Et ils font de cela ce qu'ils veulent. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'argent au pays? Notre argent est là. On a l'argent. La preuve. La preuve. Coucou Stéphanie, on a de l'argent. Sinon, ce n'est pas que de dilapider notre argent comme ça, de prendre notre argent et de le dilapider sur des choses qui n'en valent même pas la peine. Tu te poses la question, je me suis déjà posé la question 1000 fois. À quoi vont servir ces pimenteuses au pays? Que sera leur rôle? C'est elles qui vont s'occuper de l'encadrement des joueurs? C'est elles qui vont s'en... la plus-value? C'est quoi? C'est quoi? Elle nous apporte quoi en plus? Elle valorise l'image du pays en quoi? Je ne peux pas accepter qu'on soit toujours en train de ramener notre pays à des choses futiles, à des choses sans importance. Voilà Eto qui est arrivé hier. En fait, de toute façon, c'est-à-dire pour moi, c'est le roi, c'est-à-dire c'est le plus grand trafiquant des affaires de pépé. Il est le chef distributeur universel des affaires de pépé. Donc, ça dit, son comportement ne me surprend pas du tout. Ça ne me surprend pas. On fera le bilan de ça après. On fera même le bilan de toutes ces pimenteuses qui sont allées pimenter la canne au Cameroun. On fera le bilan après parce qu'après, les langues vont se délier. Les pas contents, les jalouses, les crispés, les frustrés. Oh, pourquoi on a mis l'autre là-bas? On m'a pas mis là-bas. On va entendre les commentaires de ça après. Voilà Elsa. Oh, Banga Diaspora. Voilà des gens positifs. Voilà des gens qu'on pouvait inviter au stade. Elle dit, il est au pays. On l'invite, on lui offre. Elle dit, il a. À la tribune présidentielle, voilà des gens. Qu'a dit quelqu'un qui est parti. Il est parti ici, il a fait ses choses, il a fait ses choses, il rentre au pays, il entreprend, il met des choses sur pied doucement, et il dit encore même, en plus, il parle des réalités du pays. C'est-à-dire, il est au pays et il parle des réalités du pays tous les jours. Voilà les gens qu'on devait être en train de suivre, voilà les gens qui devaient être des exemples. Oui, mais on nous a ramassé. Le piment à toutes les sauces. Les gens, quand tu tapes, tu vas regarder leur CV. C'est que le piment, oh, ceux qui sont nus, et ceux qui sont comme ça, oh, ceux qui sont comme ça, oh, ceux qui expliquent comment utiliser cela, oh, ceux qui expliquent comment. Voilà en fait l'image que le gouvernement, comment on dit, fait la promotion. Oui. On a, quand je pense à tous ces gens, tu vois, parfois tu lis un journal, tu vois en bas c'est signé par un Camerounais. Parfois tu vas dans tel endroit, tu vois, on te dit que le Camerounais est à tel endroit. Tu parles là-bas, on te dit que c'est un Camerounais. Ce n'est pas eux-là qu'on pouvait inviter pour aller nous suliver la canne. Non. Les Camerounais, ceux-là ne supportent pas Pomba. Ceux-là ne supportent pas Pomba. Donc il faut qu'on prenne des esclaves. Il faut qu'on prenne en fait celles qui supporte Pomba. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, la Mafo faisait une vidéo. Vous pensez que ces gens sont bêtes? C'est parce que ces filles-là sont bêtes. Elles sont tellement des raclus, des mendiantes que elles savent comment faire pour appâter le gouvernement. Il y a quelques jours, vous n'avez pas vu la vidéo de Mafo où elle racontait que oh, il n'y a pas la guerre au Cameroun. Comment tu veux? Vous voulez nous salir l'image du pays? Vous dites qu'il y a la guerre, il n'y a pas la guerre, tout va bien au Cameroun. Vous vous rappelez? Si vous avez bien vu, vous allez voir que cette vidéo, elle est sur la toile. Vous pensez qu'elle faisait ça pour rien? Parce qu'elle fait ça pour rien. Le gouvernement de Pomba ne se sert que des petites mains de la dictature.
Ils savent très bien que nous aimons la distraction. Nous suivons beaucoup de gens. Nous suivons beaucoup de gens comme ça. Les Mafo, les Tata Lolo, les Ogobem, les Veuves Joyeuses, toute la clique là. Ils savent que ce sont des filles qui sont beaucoup suivies. Quand elles sont en direct, il y a 3000 vues. 3000 vues. Rien d'intéressant, hein. Pour ne parler que de la pub, de la bouillie, il n'y a rien d'intéressant. Mais quand le gouvernement camerounais savent que vous aimez ça, on les ramasse. Ah oui! Et moi, je vois des femmes, je vois des mamans dire, eh oui, vous êtes nos influenceuses, nam, piam, les jalouses, oh là, allez sur le courant. Je me dis, moi, je suis mère d'enfant, j'ai 3-4 filles. Je ne rêve même pas, même dans mes plus cauchemars, que l'une de mes enfants ressemble à ces gens. Je dis, je ne rêve même pas. Je dis bien que je ne rêve même pas que l'une de mes enfants ressemble à ça. Mais je vois des mamans au Cameroun. Je vois des mamans. Et que là, oui, vous êtes nos influenceuses, nam piam. Nous sommes avec vous, nam piam. Quel exemple. Donc, vous voulez que vos enfants soient comme ça? Donc, vous voulez que vos enfants soient comme ça? Promotion canapé, qui n'ont pas de moralité? Je suis choquée. Je suis choquée. Je vois des femmes. Hier, je fais une publication. Et les abeilles tombent sur ma page. On va signaler ta page. Fais l'argent du code. On va signaler ta page. Enlève le nom de Flore dans tes bêtises. J'ai dit, mais attendez. Vous, les femmes, ou que ce soit même une femme, que ce soit même un homme, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Donc, vous voulez que vos enfants soient comme ça? Non, je veux bien comprendre. Parce que même au niveau. Peut-être qu'ils n'ont peut-être encore pas encore eu le courage d'inviter aussi nos garçons qui sont ici, qui sont doublés SIM. Parce que ça va arriver. Et je tiens à vous dire que ceux qu'on n'a pas invités. Non, les influenceuses et influenceurs, parce qu'il y a aussi influenceurs, qu'on n'a pas invité, on va être au tribunal après. Parce que après là, les vérités vont sortir. Ben si, elles sont vraiment payées pour nous distraire, Ginette. Et moi, je dis tout simplement, elles distraient celles qui les suivent, parce que moi, je ne suis aucune de ces filles. Je ne suis aucune de ces filles. Ah non, 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 non. J'ai pas le temps, j'ai pas perdu mon temps pour m'énerver pour parce que je sais que quand je mets mon téléphone, je commence à les suivre, je m'énerve toute seule. Donc, j'ai pas l'envie de m'énerver toute seule. Donc, je les suis pas. Je les suis pas. C'est pas que je les déteste. En tant que personne, je peux dire que je en tant que personne, je peut-être je les aime. Mais Marie-Paul Poul est au pays, non, ça. Elle est au pays, donc on n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Mais quand tu vois. Si ces filles, dès qu'elles prennent le téléphone, elles lancent en direct, c'est 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 3000 vues. Mais tu ressors de là, tête vide, rien du tout. Tu n'as rien retenu, elles ne t'ont rien apporté. Elles vont te parler des problèmes du Cameroun, des problèmes des influenceuses de la Côte d'Ivoire, des problèmes des influenceuses du Mali, des problèmes qui ne t'ont dit. Je dis non, mais franchement, ce n'est pas que je m'ennuie, c'est pas que je n'ai. Non, je vais encore. J'éteins mon téléphone et je me couche et je dors. Je ne souhaiterais en aucun cas que mes enfants soient comme ça. Je ne souhaite pas. Mais comme c'est Dieu qui décide, parce que je ne souhaite pas que les propres parents de ces gens auraient souhaité que leurs enfants soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais comme la maman n'accouche pas le cœur, je parle ma part et mes enfants vont être ce qu'ils vont être demain. Mais ce n'est pas mon souhait. Parce que ce ne sont pas des exemples. Les vendeurs de piment qui font la promotion, Ludovic. Tu penses que c'est toutes les vendeurs de piment qui font la promotion? Les vrais vendeurs de piment ne parlent même pas. Elles vendent leur piment que en silence. Donc, tu penses que c'est toutes les vendeurs de piment qui font la promotion? Il y a les femmes qui font le piment avec élégance, qui font le piment avec classe, en toute discrétion. Tu penses que quoi? Elle dit que parce que mon piment est périmé. Tu sais comment on fait pour savoir que c'est périmé? Mais bref. Je vais comme ça parler de ces pimenteuses, c'était juste pour animer la galerie et vous faire comprendre que nous devons. Coucou Charles, tu es toujours là, malgré que tu me détestes, mais tu es toujours dans mon direct. Mais franchement, tu es sérieux, tu es débile même, Ludovic, tu es complètement con. Tu me vois dans quel direct? Tu es fou? Je pense que j'ai le temps à perdre. Tu me vois dans. Il me dit qu'il me voit dans tous les directs. Tout à l'heure, pour te donner qu'un exemple tout simple. Tout à l'heure, j'étais dans le direct de la. C'est quoi? Étoile Cribienne. Je n'ai même pas pu suivre 30 secondes. Tellement, elle racontait des choses que je me disais, mais attends, elle nous apprend. Il y a quoi qu'elle nous apprend de nouveau? Que j'ai zappé. Pour suivre en direct avec beaucoup d'attention
Il faut que le texte soit intéressant. Pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est mon avis. Après, il y a des gens qui aiment bien, là où on parlait des choses, voilà, du ventre, du bavard, et puis du japap. Parce que ça, ce sont des directs vraiment spéciaux du japap. Moi, j'aime suivre les directs qui parlent du combat. Donc, forcément, on ne peut pas se rencontrer. Donc, c'est ça. Donc, et puis, pour clôturer et pour fermer cette page, j'ai cette page des pimentières. C'est tout simplement encore pour vous dire que ça nous donne encore mille et une raisons de toujours combattre ce gouvernement. Oui. Moi, de ce que je viens de voir par rapport à la CAN, que je vois depuis, ça me donne encore la rage. Ça me donne encore beaucoup de détermination et me dit, VTK, ne baisse pas les bras. VTK, continue ce que tu as commencé parce qu'effectivement, tu fais bien de les combattre. Oui. Ça me dit, tu fais bien de les combattre parce que tu ne peux pas laisser qu'on abrutisse les membres de ton pays, les membres de ta famille, ainsi sans rien dire. C'est encore mieux de continuer à te battre comme tu te bats là. Oui, et ça me permet tout simplement de comprendre que je suis du bon côté du combat parce que je ne peux pas. Voilà, faut pas venir faire la distraction dans mon direct. Donc, je ne peux pas. Je dis que oui, en fait, ce que je fais est bien. Donc, je ne peux pas m'arrêter. En fait, je dois seulement continuer parce que, effectivement, je lutte pour la bonne cause. Je lutte, effectivement, pour combattre ce genre de choses. Qu'on laisse des gens, qu'on doit promouvoir la femme camerounaise, l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire la femme camerounaise, peut-être aujourd'hui, qui est partie de rien, qui est devenue quelque chose. Oui, on doit promouvoir cela. La femme camerounaise, effectivement, qui est partie. Qui a fait ses études et qui a réussi, on doit également les promouvoir. Et quand il y a une manifestation, enfin, un événement comme cette histoire de Cannes, c'est cette image du Cameroun qu'on doit promouvoir et non des raclures pareilles. Donc, tout au contraire, moi, ça me fait encore comprendre que non, VDK, reste sur ta ligne du combat, ne change pas de ligne. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. C'est-à-dire, ce n'est même plus pour dire que oui, tu combats parce que d'autres disent, oh, tu combats parce que tu veux que ton frère Bambieke, oh, tu combats parce que tu supportes Kamto, oh, tu combats parce que non. Chaque jour qui passe, on te donne les multiples raisons de combattre ce gouvernement. Chaque jour qui passe, bonsoir, on te donne les raisons de comprendre que tu es dans le bon et que tu es dans la vérité et que vraiment ce que tu fais est bien. Tout simplement. Parce que pour moi, je ne peux pas comprendre que dans mon pays, les gens manquent de l'eau. Les gens sont confisqués, les gens sont retenus en otage dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de quoi payer. Mais parallèlement, ce gouvernement, justement, qui mène la vie dure à mon peuple, c'est ce même gouvernement qui prend l'argent pour offrir des billets d'avion aux gens qui sont à l'extérieur, aux Camerounais, entre guillemets, sur la toile qui chante matin, midi et soir qu'elles ont réussi, elles sont les PDG, elles sont les ceci, elles sont les cela, c'est-à-dire, elles donnent l'image sur la toile des filles qui ne manquent de rien. Elles ne sont pas un billet d'avion. Elles donnent l'image des femmes qui ne manquent, qui ne sont pas un billet d'avion prêt. Mais on laisse les gens au pays qui sont dans la souffrance totale, qui sont dans la misère la plus dure, rude. Mais on prend notre argent. On prend l'argent de nos parents pour venir inviter les gens dont leur présence vaut leur absence à un événement. Oui. Parce que ce ne sont pas des gens qu'on va dire organiser des conférences de presse pour parler du Cameroun, pour parler des choses, pour redorer l'image du pays. Non. Elles vont organiser des conférences de presse pour raconter quoi? Pour raconter quoi? Pour vous dire qu'on va tenir un gob? C'est ça, elles vont organiser des conférences pour nous dire comment ça se passe le fouettement. Donc, tout simplement, nous les combattants, on doit comprendre que chaque jour qui passe, ce gouvernement nous donne raison. Chaque jour qui passe, ce gouvernement nous donne raison dans notre combat. Donc, on doit seulement accélérer. On doit seulement mettre la dose adulte parce que vraiment, le rythme est fort. Le degré de médiocrité fait pitié. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On mérite mieux que ça. On ne peut pas encore ramasser des gens qui sont coincés dans. Ils sont là, ils dirigent un pays. Ils sont coincés, ils sont frustrés. Ils sont comme des animaux qu'on a castrés. Rien à la tête. Ils partent ramasser des choses, on ne sait pas d'où ils ramassent.
Et puis, il nous avance au Cameroun pour dire que voilà les gens qui vont venir représenter l'image du pays. Voilà les gens à qui tu te demandes d'écrire une phrase complète, on ne peut pas te dire où est le verbe, où est le sujet, où est le complément. Non, mais ce n'est pas possible. Et puis, ce qui est encore même amusant, c'est que ça me fait encore pitié aux autres influenceuses. Bonsoir Lily Conchou. Aux influenceuses, soi-disant influenceuses qui sont au pays, et les influenceurs et les TikTok, tu sais quoi, TikTokers qui sont au pays, qui se disaient en quelque sorte un peu intéressants, qui se disaient quelque chose, qui se disaient quelque part qu'elles ont de la personnalité, elles sont suivies et tout et tout et tout et tout. Moi, j'aurais aimé si le Cameroun était un pays bien et tout et tout et tout. On devait commencer par passer. Ouais, ça me fait pitié. Hein. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié. On importe les influenceuses. Tellement la diaspora est importante. Tout ce qui vient de Mbeng est important. Tout ce qui a pris l'avion est important. Tout ce qui sent l'odeur de l'avion est important. Tu vois les choses, ces choses, elles ont des chaussures, on dirait les Rocafi Jazz. Mais du moment où elles ont pris l'avion, elles deviennent des personnalités importantes. Elles ont leur mot à dire dans le fonctionnement de notre pays. Parce que tout simplement, elles vivent en diaspora. J'aurais aimé plutôt qu'on se dise, c'est pas parce que nous sommes là pour critiquer, hein, mais il y a vraiment parmi nous toutes qui sont sur la toile, des gens qui sont dans la critique utile. J'ai vu Patrice Nkana même supplier pour qu'on laisse les gens aller au Cameroun. Oui, ça veut dire qu'on aurait laissé l'accès à certains Camerounais d'aller au pays pour la CAN. Peut-être Nkana serait parti parce qu'il avait l'air d'être très intéressé. Tu vois, vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire, malgré qu'on critique, il y a certains Camerounais qui sont d'accord avec la CAN. Alors que moi, je ne suis pas d'accord avec la CAN. Mais il y en a certains combattants, même activistes, qui sont d'accord avec la CAN. Et qui aurait même aimé aller suivre cette CAN. Quand j'ai vu Patrice Nkana dire que le gouvernement devait faire un truc, pour laisser, pour permettre que les Camerounais qui combattent le gouvernement puissent aller regarder, suivre la CAN et rentrer. Donc ça veut dire qu'il avait envie d'aller suivre ça. Mais moi, je n'ai pas envie. Parce que je me dis tout simplement, cette CAN, elle est mal tombée. Elle aurait eu lieu peut-être il y a 5 ans en arrière, quand le Cameroun était encore malgré la pauvreté, il n'y avait pas de guerre. J'aurais encore dit oui. Il n'y a pas la guerre, mais on a encore notre foot là. On a dit que le football est le sport national. Il y a encore notre foot là qui peut nous tenir. Mais aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Donc, je ne peux pas me permettre de dire que je vais soutenir cet événement alors que parallèlement, j'ai des frères et des sœurs qui sont tués. Voilà. Donc, c'est tout simplement pour ça. S'il n'y aurait pas eu de guerre au Cameroun, on serait peut-être seulement en train de parler, de critiquer, de revendiquer le hold-up électoral et qu'il y ait calme. Ça ne me dérangerait pas. C'est parce qu'il y a une guerre qui est en train de ravager une partie du pays. C'est pour cela que ça me dérange. Si on était que dans l'histoire du hold-up électoral, et qu'on organise même 4 Coupes d'Afrique, 5 Coupes d'Afrique, je vais dire, ah oui, on revendique, oui, mais ça n'empêche pas que des gens qui veulent jouer à leur football, jouent à leur football. On ne va pas mettre le Cameroun en statu quo parce qu'on revendique notre hold-up électoral. Oui, il faut savoir faire la part des choses. Mais moi, je suis contre tout simplement parce qu'il y a cette guerre. Oui, parce qu'il faut savoir que, mine de rien, on nomme notre pays. On aurait organisé une CAN dans des circonstances différentes. Nous serons tous contents. Nous serons peut-être en train de proposer que oui, inviter telle personne, inviter telle autre. Oui, parce que ce sont des gens. Moi, je suis sûr aujourd'hui que Calibri n'étant même pas un influenceur, ou même Sandy, ce sont des gens que s'ils arrivent au pays, les gens seraient très contents de les voir. Les gens seraient très contents de les rencontrer. Parce que ce sont des gens, mine de rien, qui se battent pour le changement dans un pays. Donc, c'est pour dire tout simplement que cette guerre qui se vit aujourd'hui nous pousse à nous dire que non, on ne peut pas accepter la CAN parce qu'il y a la guerre dans notre pays. Mais il n'y aurait pas eu de guerre, j'aurais été à 100% partante pour cette CAN. Je n'aurais pas, malgré qu'il y a la pauvreté, malgré qu'il y a tout, on va faire comment? On va toujours continuer à critiquer, à vouloir améliorer les conditions de vie, mais je n'aurais pas été aussi virulente à l'endroit de cette CAN. Non, j'aurais peut-être aussi critiqué, mais pas avec autant de hargne, quoi. Voilà, j'aurais peut-être pesé encore mes mots en me disant, ah ben voilà, on a toujours dit que c'est le foot, là, le foot est le sport national au Cameroun, le foot est un sport rassembleur, ça rassemble tout le monde, même celui qui est fâché, celui qui n'est pas fâché, quand il y a foot, on est tous, on s'enjaille ensemble. Oui, j'aurais vu les choses autrement.
Et je vais comme ça aussi profiter, comme ça, et chuter pour dire vraiment un très grand bravo à tous ces combattants. Vous avez vu hier, déjà même avant-hier, vous avez vu du côté de la diaspora, nous du côté des activistes, nous ne sommes pas d'accord avec cette canne justement par rapport à cette guerre qui est en train de nous ravager, de nous tuer, de nous dissimer plein plein de Camerounais. Et donc les activistes ne sont pas d'accord par rapport à ça. Et effectivement, vous avez vu hier, avant-hier déjà du côté de l'Allemagne, juste, et c'est justement quand vous voyez ces actions, c'était ces actions, c'est pour faire comprendre qu'on ne peut pas jouer cette canne sur le sang de nos frères et sœurs. Donc du côté de l'Allemagne, avant-hier, vous avez vu l'ambassadeur Diffundimeli, c'est un combattant, et ils sont allés au niveau de l'ambassade de l'Allemagne, pour, du Cameroun en Allemagne, pour exprimer leur mécontentement en disant que stop génocide, stop ceci, stop cela, pour faire part des revendications. Parce qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas être en train de célébrer. C'est-à-dire qu'on est en train de célébrer notre pays et parallèlement, les gens sont en train de mourir. Parce que pendant la CAN, le bis sera toujours dans le nozo. C'est pas pour dire qu'on n'a pas dit qu'il y a un cessez-le-feu, pour dire que oui, pendant la CAN, il y a un cessez-le-feu, on arrête, le bis arrête, et du côté du film Marshall aussi, ils arrêtent. Non, rien ne s'arrête, ça continue, les massacres vont continuer même durant la CAN. Donc, les gens, les combattants de l'Allemagne sont allés justement s'exprimer à ce sujet à leur ambassade. Et ça n'a pas, ça ne s'est pas arrêté là. Vous avez aussi vu hier du côté de l'ambassade du Cameroun à Paris, le CCD mené par le général Wanto, le doyen Beur, colonel So et le valeureux combattant Prosper, ils étaient devant l'ambassade du Cameroun hier justement encore pour faire comprendre, pour exprimer leur mécontentement. Et comme ça ne pouvait pas se terminer sans que la basse du côté de la Belgique aussi ne vient ajouter son grain de sel dans ce combat. Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique hier. Vous avez vu, ce n'est pas, comment dirais-je, je veux bien que les gens comprennent que ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas pour amuser la galerie. C'est de la revendication. C'est un mode d'expression. C'est comme ça qu'on se dit qu'on peut s'exprimer, on peut se faire entendre. Si on, quand vous voyez ces combattants menés par le général Niat, Sandy et autres, vont les camer côte avant comme ça à Bruxelles, à l'ambassade, c'est parce qu'ils savent que le gouvernement ne peut ne pas regarder et le gouvernement ne peut ne pas être au courant de cette action. C'est une façon de les interpeller. Vous avez vu l'homme en tenue qui était dans l'ambassade comme il était tout petit. Voilà, mais il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de bagarre. Ça s'est passé de façon, comment dirais-je, ça s'est passé vraiment dans le respect des institutions. Voilà, ça s'est passé dans le respect des institutions. C'est-à-dire que malgré qu'ils sont en colère, ils ont respecté les institutions. Ils ont juste fermé la porte de l'ambassade pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas contents. Et je vais comme ça aussi m'adresser à ces Camerounais qui étaient là à l'ambassade de Bruxelles hier, ou à ceux qui étaient à l'ambassade du Cameroun hier, parce qu'ils avaient soit un visa à venir prendre, ils avaient toi telle chose importante à venir faire, soit ils avaient leur mère qui devait ressusciter hier, soit ils avaient leur grand-père qui devait ressusciter hier, soit. Et qui ont été très mécontents, qui ont été très en colère parce que la base avec les combattants sont venus faire leur action. Ça les a beaucoup dérangés. Je tiens à vous dire, allez vous faire foutre. On ne peut pas doubler sans casser les œufs. On a des gens qui sont en prison juste parce qu'ils sont mis leur nez dehors. On a des gens qu'on allait porter dans leur maison pour les enfermer juste parce qu'on connaît leurs convictions, on connaît leur direction, on connaît leurs intentions par rapport au gouvernement. Donc, si vous vous êtes déplacé hier pour aller soit à Bruxelles faire un document et que vous n'avez pas pu le faire, est-ce que c'est la fin du monde? Vous allez aller un autre jour. On dit que tu ne fais pas la politique te fait. Vous ne comprenez pas. Tu ne fais pas la politique te fait. Donc, vous qui étiez là-bas hier, et qui est rentré chez vous, étant très fâché, étant très, très contrarié, je peux bien comprendre que vous soyez contrarié. Mais on se bat pour que le Cameroun change. Et on n'avait pas rendez-vous avec vous hier. Comme ces gens qu'on allait arrêter dans leur maison, on n'avait pas rendez-vous avec l'oppresseur. Non. Mais on les a quand même arrêtés. Vous ne pouvez pas être là, moindre action, ça vous énerve. Oh, je suis parti de Dijon pour venir faire mon document. Oh, je suis parti de tel endroit pour venir faire mon document. Vous pouvez me dire la personne qui met la tête de moi là, comme ça je le bloque. Si vous connaissez la personne qui met la tête de moi, dites-moi je le bloque.
Bonjour, Gigi Harris. Oh, je suis partie de tel endroit pour venir faire mon document. Et franchement, j'arrive et il y a telle chose qui se passe. Franchement, je suis énervée. Oui, vous êtes énervée, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous allez revenir un autre jour. On dit que tu ne fais pas la politique te fait. Nos parents qui sont au pays là, que de subir, est-ce qu'ils font la politique? Ma mère personnellement te dit qu'elle est la politique. Ma voisine te dit qu'elle est la politique, mais il n'y a pas la route dans leur quartier, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'eau. L'eau, ce n'est pas épisode, la lumière, ce n'est pas épisode. Ça fait 20 ans qu'ils vivent avec une route non goutronnée. Mais on te dit que ma fille, je ne fais pas la politique, mais la politique a que de les faire. Donc même vous qui êtes venu hier pour votre histoire de passeport et tout, vous vous dites à politique. Non, votre histoire de politique, là, ne m'amenez pas ça. Vous ne faites pas ça, vous faites. Voilà, nous voici, non. Voilà les influenceuses qu'on a voulu nous tuer. C'est quand nous sommes allés, la pimentière du 6 renversé est venue nous présenter où sont les multiples romans d'écartement, là à Paris. On allait les saboter. Vous nous avez toujours insulté ici sur la table. Oh, vous êtes jalouse. Oh, les vieilles mères comme ça. Et elles vous dépassent. Oh, elles sont plus belles que vous. Oh, ceci. Moi, mais si vous montrez mes enfants, vous allez aussi voir qu'elles sont belles. Parce qu'elles sont encore toutes jeunes. Donc, vous avez raté vos vies. Oh, vous avez ceci. Donc, elles ont réussi leur vie là. Parce qu'elles écartent et on les suit libre. Donc, elles ont réussi leur vie. Vous avez insulté. Mais voilà. Ce qu'on reprochait, on vous disait que Bia se sert de cette petite personne. Il se sert d'eux. Et voilà, il a ramassé toutes ces influenceuses. Voilà. Ça dit ça, c'est exactement ce qu'on vous disait. C'est exactement pour cette raison que vous avez vu aller boycotter ces Muriel Blanche, ces Nathalie, machin, truc là. Parce qu'on savait que ce sont des gens qui ne disent jamais rien parce qu'elles attendent quelque chose du gouvernement. Elles ne disent jamais rien parce qu'elles attendent un geste du gouvernement. Elles se disent toujours qu'un jour, il va peut-être nous appeler. Un jour, mon jour va arriver. Un jour, ce sera peut-être mon tour. Et vous voyez, c'est arrivé. Les magasins, les veuves joyeuses, voilà le jour qui est arrivé. Elles attendent quelque chose. Donc c'est pour ça qu'elles restent silencieuses. Elles disent toujours des choses bien du gouvernement parce qu'elles attendent qu'un jour, pour eux, va arriver. Quand nous sommes allés les combats, vous avez insulté de tous les mots. Vous n'avez pas traité de quoi. Et voilà. Voilà leur récompense, non? Voilà leur récompense. Vous pensez que si elles ne disent rien, c'est pourquoi? C'est parce qu'elles attendent quelque chose. Sinon, les gens qui n'attendent rien ont la langue, n'ont pas la langue dans leur bouche. Elles disent exactement ce qu'elles pensent. Et on avance. Mais elles attendent. Voilà, Tata Lolo, après elle a donné le billet d'avion, elle est derrière devenue la promotrice numéro 1 de la canne. Elle ne parle que de la canne. Comment ça va être sucré? Comment elle va manger ça avec le sucre? Comment elle va manger ça avec le miel? Comment nous sommes jalouses? Elle n'a jamais autant parlé de la canne que depuis qu'elle a eu son billet d'avion pour le Cameroun. Vous pensez que c'était pourquoi? Elles attendent! Elles sont au rebond, comme le chien qui attend l'os. Que tu finis de manger la viande, tu lui lances, l'os, écoute derrière. Elles sont devenues, je te dis, elles n'étaient pas là que de can depuis là. Parce qu'elles sont attendues et leur tour est arrivé. Donc, vous voyez donc que si elles ne parlaient pas, si elles ne critiquent pas, c'est parce qu'elles savent pourquoi elles ne critiquent pas. Effectivement, Rosalie. Mais ce qui était pathétique, c'est que c'était nous, on nous traitait nous de jalouses. Oh, vous êtes jalouse. Oh, tu es belle. Est-ce que tu peux être belle comme Nathalie? Oh, est-ce que Nathalie a mon âge? Nathalie a l'âge peut-être de ma petite soeur. Et même si elle est plus belle que moi, oh mon problème. Est-ce qu'on est en train de faire un casting de beauté? Hein? Est-ce qu'on est en train de faire un casting de beauté? On n'est pas en train de faire un casting de beauté. On n'est pas en train de faire un concours de beauté. On fait un concours de ceux qui sortent de la bouche. Est-ce que ce que tu dis est bien ou pas bien pour notre pays? Est-ce que tu es pour le développement ou bien tu es pour l'abrutissement de notre pays? Ah oui, vous avez vu l'autre jour là, il y avait la Miss, les trucs de Miss Cameroun là, voilà autant de choses. Comme vous dites toujours que le Cameroun est fait de telle sorte que si tu n'écartes pas, tu ne peux pas aller loin. Vous avez vu la jeune fille qui a démissionné là, non? Vous avez pas, je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle dit, elle s'est présentée pour le truc de Miss. On leur demande des choses pas possibles. Il y a l'investissement humain. Je pense qu'elle s'est même abstenue effectivement de tout raconter. La pauvre jeune fille, toute jeune,
Et je le dis à vous, les mamans là qui êtes au Cameroun, vous qui avez encore la possibilité de contrôler vos enfants, évitez de les laisser aller participer à de tels événements de Miss Cameroun, parce que c'est là où le pinaillement se passe de gré ou de force. Où tu, si tu veux avancer, tu écartes, tu ne veux pas avancer, tu fermes tes pieds et puis tu laisses le concours. Parce que tous les membres du jury, tous les membres de quoi, doivent passer dessus. La jeune fille est partie pour l'histoire de Miss Cameroun. Elle a tellement vu que c'était tellement dur qu'elle a démissionné. Et dès qu'elle a démissionné, on l'a chassée. Parce que je veux vous dire qu'ils se servent, ces gens au Cameroun, on a tellement fait du sexe, quelque chose, le sport national. Le sexe est le sport national. Le sexe, c'est quelque chose que, t'as dit même, tu bois une gorgée, tu tires un coup, tu reviens. Tu fais telle chose, tu pars, tu tires un coup, tu reviens. Le sexe, c'est à tout. Elle dit même, tu veux être pousseur. Si je suis au Cameroun et que j'ai un magasin, je loue les pousses. Si tu veux venir même louer le pouce dans mon magasin pour aller pousser, il faut que tu passes même à l'arrière-boutique. On te met le dos à terre. Les histoires de Miss que vous entendez là, c'est vous passer à la casserole. Vous voyez? Donc, les jeunes camerounaises qui sont à Friolande, qui aiment le Mathieu Vu, qui sont à l'image, qui rêvent d'être Nathalie Koa, qui rêvent d'être Muriel Blanche, qui rêvent d'être Poupina, qui rêvent d'être la PDG. Vous pensez qu'elles vont refuser? Celle qui a un peu de moralité va dire que non, je ne peux pas faire ça, le père, le type est trop vieux. Celle qui a le cœur du bon va dire que aka, j'ai fermé les yeux, j'ai carte et puis c'est fini, non, pourvu que j'avance. Un pays où on est en train de promouvoir, où tout se passe que sur le canapé, ça ne peut pas, on ne peut pas tolérer cela, le cautionner et l'applaudir juste pour faire plaisir aux uns et aux autres. On ne peut pas. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit que moi, je suis la championne. Je suis la championne dans ma chambre, mon gars. Dans ma chambre, je suis la championne, oui. Je suis la championne dans ma chambre. Je prends les posters que toi-même tu ne peux pas imaginer que je peux prendre. Mais là, c'est dans ma chambre. Avec celui avec qui je dois le faire. C'est dans ma chambre. Ça n'engage que moi. Hein? Et ce n'est pas pour faire quelconque promotion. D'accord? Je le fais par envie. Par envie, par amour. Oui. Il faut savoir que si vous nous voyez, nous sommes assis là derrière à critiquer le pays. On aurait aussi pu ne pas être assis là derrière à critiquer le pays, mais on aurait aussi pu être là à enjoliver, à raconter des choses qui plaisent. On nous aurait aussi invité. C'est parce que nous ne sommes pas attirés par ça. Il faut savoir que dans la vie, il y a des femmes qui aiment certaines choses, il y a d'autres femmes qui n'aiment pas. C'est comme ça. Il y a d'autres qui aiment, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Sinon, vous pensez que si moi aussi je me mets aussi à parler du gouvernement, à enjoliver, à parler de ceci, de cela, on peut aussi m'inviter. En quoi ces femmes qu'on invite sont différentes de moi? En quoi elles sont différentes de moi? Mais voilà, il y en a même qui sont même plus vieilles que moi. Quand tu regardes Aline Zongobem, elle doit être plus vieille que moi. Mais est-ce qu'on l'a pas invitée? Donc c'est même pas un problème d'âge. Donc l'âge ne fait même pas partie des critères. Il suffit que tu saches écarter et que tu maîtrises les bonnes positions. Et comme la mère a l'air de maîtriser les bonnes positions, ça suffit. Alors, il y a des gens qui ont la moralité. Oui. On ne dit pas que quand on vous parle, on ne vous dit pas que nous sommes des saintes. Non, je ne suis pas une sainte de l'église. C'est mon chéri qui peut vous dire si je suis une sainte ou pas. Mais ça se passe entre lui et moi. Tout simplement. Ah oui. Ah oui. Ça se passe entre lui et moi. Même si c'est la boxe qu'on fait dans la chambre là-bas, c'est lui et moi. Même si mon pied touche le plafond, c'est lui et moi. Même s'il m'attache, c'est lui et moi. Ah oui. Vous riez. Mais c'est la vérité, non? Parce qu'il vient parler là, il dit que moi-même je suis. J'écarte, il n'y a pas quelqu'un qui l'écarte. Parce que nous tous sommes écartés, mais chacun sait où il écarte. C'est tout. C'est-à-dire qu'on choisit où écarter et où ne pas écarter. C'est ça, et c'est là toute la différence. C'est là toute la différence. La cérémonie d'ouverture sera dimanche. Vous allez voir, c'est perroquet assis dans les tribunes. Ouais! Oh! Quand je vois comment, quand la Coupe du Monde se jouait ici, tous les matchs, les grandes compétitions qui sont jouées ici, je vois Macron assis à la tribune. Je vois, il a invité Sarkozy, il a invité François Hollande. Normalement,
Les opposants devaient être dans un pays où tout est bien, dans un pays où il y a le vivre ensemble, comme le marchand nous disait hier, nous disait le 31 que oui, on doit vivre ensemble, le Cameroun est vivre ensemble. Macron, un peu d'amateur, on n'a pas besoin de t'inviter à la canne la mer. On sait que tu as les portes ouvertes au Cameroun, ne viens pas nous embrouiller ici, s'il te plaît. MP, on sait que tu peux aller au Cameroun et rentrer sans être inquiété. Donc ne dis pas, tu n'as même pas besoin qu'on t'invite. Prends seulement ton billet, tu pars à la mer. On va t'ouvrir toutes les portes. Vous êtes des gens qu'on surlive au Cameroun. Donc ne viens pas dire que quand t'invite ou qu'on ne t'invite pas, tu vas seulement partir. Tu as même fait la chanson de la canne, non la mer. Comment une activiste, quelqu'un qui combat le gouvernement peut faire la chanson pour la canne? Hein, la mer, comment tu dis que ça ne t'invite pas? Même si c'est pas la chanson là, on va te mettre à la tribune d'honneur. Même si c'est pas la chanson que tu as composée où tu dis que c'est monté, c'est descendu là, on va te mettre à la tribune d'honneur. Ah oui, ok. Donc même si on ne t'invite pas là-bas, prends ton billet, tu pars. Prends ton billet, tu as ta place là-bas. Tu as ta place. Oui, on a fait la chanson, Gigi Harris, on a fait la chanson pour la canne. C'est pour... Je vous ai dit qu'il y a des activistes qui veulent partir, vous ne comprenez pas. Donc vous avez cru que ça... Je dis qu'il y a des activistes qui, malgré tout, veulent partir. Les Ngandang voulaient partir. C'est parce qu'ils savent que s'ils partent, ils ne peuvent pas revenir. Donc, un peu, ne va pas nous embrouiller là comme si tu veux faire un genre, nous tous on sait que la porte est là, quand tu pars, même c'est les vandales, là qui ouvre la porte pour que tu passes. Tu n'es pas comme les nous ici, la main. À chacun ses privilèges. On n'est pas la même chose. Donc, ne va pas nous embrouiller là que, même si on ne t'invite pas, même si on ne t'achète pas le billet d'avion, c'est comme ça que tu viens peut-être lancer la leçon pour que les gens la voient, on t'envoie le billet d'avion inbox. Hein. C'est comme ça. Tu viens là, tu fais un genre, mais comme ça, tu as que de lancer ta part la leçon. Peut-être que comme ça, si quelqu'un, un Tinda d'Eto, ou bien un Tinda d'Ayolo va voir, il va dire que j'ai vu la maman qui a composé une chanson là, que la canne est montée, la canne est descendue. Elle dit que si on ne l'invite pas, c'est monté, c'est descendu. Elle va seulement venir. Et c'est comme ça qu'on t'envoie ta part de billet d'avion MP. Donc vraiment, ma chérie, ne viens pas nous embrouiller ici. On sait que tu peux aller au Cameroun et être même assise à la tribune d'honneur avec ces gens et revenir tranquillement ici. Nous embrouiller. Donc, excuse-nous. Parce que nous, on ne peut pas se permettre cela. On ne peut pas. Donc, excuse-nous. J'ai dit qu'il y a des activistes qui voulaient aller, qui rêvaient d'aller suivre cette canne. J'en ai dit. Qui peut imaginer que la grande NT, que nous avons tous respecté, après que nous avons tous, j'ai eu les frissons, les larmes. Je parle parce que tu es entré dans mon direct, la mère. Tu es venu me donner l'inspiration. J'étais écouté à la porte de Kliankou, j'avais les larmes aux yeux, tellement tu chantais bien et ta chanson parlait. Qui aurait pu imaginer que c'est toi qui allais composer la chanson de la canne? Hein, la mère, composer la chanson de la canne. Alors que tu disais qu'on est en train de tuer, on est en train de tuer, on est en train de tuer, on a quitté Pipolo, la période de manga était montée, oh, la période de manga était descendue. Qui pouvait s'imaginer que toi, MPC, en 2021, les mêmes en saumon. Oh, OMG. On mange quoi? La tarte aux légumes, elle est là. Le légume, c'est bien pour la santé. Qui aurait pu imaginer? Hein, MP? Qui aurait pu? J'ai été dégoûté. Comme ça, c'est bien que je te dise comme ça, quand tu es dans le direct, comme ça, tu n'entends pas que tu disais que j'ai parlé de toi quand tu n'étais pas là. Dégoûté. Parce que quand on a une conviction, comme je savais que tu l'avais, cette conviction, je la ressentais dans tes chansons à la porte des Clignancourt. Cette conviction, je l'ai vue dans ton regard à Genève. Je ne pouvais pas imaginer que les convictions pouvaient tomber comme ça dans l'eau à cause d'une canne. Je ne pouvais pas m'imaginer, MP. Tu ne peux pas savoir combien de personnes tu as déçues. Donc, s'il te plaît, si tu veux qu'on lance le litige, on t'achète même le billet, dis-nous, on va t'offrir le billet. Je ne vais pas te fatiguer là comme ça en plein soir. Que quand on t'offre le billet, qu'on ne t'offre pas, tu vas partir. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Est-ce que tu es comme les Noussi? Hein? Tu n'es pas comme les Noussi? Ta place est là, la tribune présidentielle. Ah oui, oui, ah oui, oui. On aime les activistes qui bagarrent. Après un moment donné, jusqu'à je suis fatigué, je suis essoufflé. Ils rallient la cause de l'adversaire. C'est les gens, des personnes là comme ça qu'on aime. T'as capté les personnes comme ça que le gouvernement recherche. Oui, pour nous dire après que vous voyez, vous n'avez même pas de conviction. Vous n'êtes même pas ferme dans ce que vous dites. Ah oui, tu ne pouvais pas faire ça, MP. C'est comme si ta chanson, c'est comme si tu chantais pour le RDPC. Pour te dire les choses clairement. Ta chanson, c'est comme si tu chantais pour le RDPC.
Même si tu aimes le Cameroun, tu aimes le Cameroun plus que qui? C'est parce que nous, on n'aime pas le Cameroun. Nous aimons tous le Cameroun. Mais là, ce qu'elle a fait la chanson, là, mais ce qu'elle a fait même le clip, c'était pourquoi? On dit qu'on tu marches, on marche sur le cadavre des de frères et sœurs pour aller jouer, tu ne comprends pas? Tu penses que les gens de Boya, Kumba, tout ça peut être content de cette chanson, là, mais... Ah, donc elle avait fait la vidéo et demande à Bia de lui faire venir. J'ai parlé même sans avoir tout entendu. Pardon, Ivana Trump, ma guerrière, laisse comme ça. Faut que j'ai augmenté ma tension. Je suis dans un contrat très dangereux. Vous n'avez pas vu ma position ce soir que je suis assise que en bas, à terre. Parce que je sens que le père a mangé. Et je sens que même ce boulot fait comme ça, je dois te parler du Cameroun. Donc. Non, Coco a ici, il faut parler. Elle peut dire que jusqu'à composer la chanson, jusqu'à faire le clip, c'est comme si moi, si aujourd'hui. Il y a des choses qu'on est, il y a des positions dans lesquelles on ne s'imagine même pas se retrouver. Il y a des positions qu'on ne s'imagine même pas se retrouver. J'ai été invité par plusieurs fois, à plus maintes reprises. Non, viens à l'ambassade, non. Viens. Il faut qu'on discute. Vous savez combien les combattants sont approchés tous les jours? MP, tu étais comment dirais-je? Quand je dis que tu étais, comment tu n'es plus? C'est comme si tu étais déjà décédé, non? Pour moi, tu représentais une icône avec ta tenue vert rouge, ta robe vert rouge que tu mettais toujours. Qui t'a dit que tu étais la seule à la voir avant que on fasse des reproductions? Tu étais la seule à la voir avec ta robe vert rouge. Tu étais une figure impénamatoire. Mais tu as chié sur ta propre route. Je parle comme ça, ce n'est pas les ingénieurs. Parce que c'est pas que tu as fait un droit de réponse pour m'insulter alors que je ne suis pas moi connaître. Ce n'est pas le message qui est important, MP. Que tu aies fait cette chanson pour demander même la fin de la guerre, ce n'est pas important. Tu as fait la chanson pour la CAN. Et si tu veux entrer dans le direct pour intervenir, tu peux entrer. Le direct est ouvert. Tu sais, tu appuies seulement sur le bouton invitation. Tu entres et tu expliques. Mais je te dis que peu importe l'explication que tu peux donner, MP. Même si le message, c'était pour dire que tu pouvais faire cette chanson sans associer la CAN à ça. Comme toutes les multiples chansons que tu as souvent fait, est-ce que tu chantais pour la CAN? Il fallait continuer dans ce sens. Pas que tu viens faire une chanson pour la CAN. C'est la CAN de quoi? C'est la CAN de quoi? Hein? Donc ça ne peut pas être pareil. Elle va entrer dans le direct. Allô. Oui, allô, MP. C'est ma villageoise du Pat. N'oublie pas qu'on a dormi ensemble à Bruxelles. Ciao, hein. N'oublie pas. Je vais te dire, quelque chose. Hein. Dis, la mère, on t'écoute. Tu as suivi le message que papa a écrit l'autre jour par rapport à la CAN? Papa, c'est qui? Balcero? Non, Maurice Kamto. Non, Balcero peut être mon père. Ah! C'est donc, pardon. Maurice Kamto, tu as sorti la chanson avant le message de papa? Villageoise du Quad, c'est maintenant que tu me connais. Oui, mais quand tu vas suivre mon répertoire, ma première chanson qui m'a inspiré, c'est le Cameroun. Ça fait 8 ans. Donc, je n'ai jamais, ça dit que je ne suis pas là pour me défendre. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu as lu... Parce que même quand j'écris, les gens, comme mon français n'est pas bon, les gens lisent, ils disent ce qu'ils veulent, je regarde, je suis tranquille. N'oublions pas une chose, et je profite de ça pour aussi attirer l'attention de ceux qui voient toujours le mal partout. Si aujourd'hui, je demande à être dans ton live, j'ai voulu que tu saches que je suis là. Je pouvais faire comme tout le monde, regarder et être sur la fenêtre, jouer à l'hypocrite. Fais comme si je ne te vois pas. Mais là, ce n'est pas la personne que je suis. Et quand quelqu'un dit dans le live que j'ai même demandé que Bobby m'envoie le billet d'avion,
C'est-à-dire, moi, ça me fait seulement rire. Mais je vous dis toujours, si on change le villageoise du Kouat, vous auriez besoin des gens comme moi, c'est là, pour faire aussi un autre travail. C'est parce qu'on n'est pas en train de vouloir changer le code électoral. Mais quand tu lis bien les postes de papa, va lire son poste par rapport à la CAN. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà en avance. J'ai combien des opposants camerounais vont aller s'asseoir dans cette CAN-là. Quand il y avait l'as du Kouat, en 72, j'avais quel âge? Moi, je suis vieille. Donc, j'ai dit que même si on va même que les gens disent que ouais, pas au Cameroun, on n'a pas interdit à quelqu'un de passer dans le Mapan. Et si tu passes dans le Mapan, tu vas entrer. Est-ce que tu as besoin de dire aux gens que tu vas passer dans le Mapan? Tu n'as pas besoin. Tu sais combien de combattants partent au pays? Les gens s'accrochent sur moi parce que je suis une personne vraie. Je pouvais faire, c'est mon amour pour le Cameroun. On a donné l'argent aux gens pour faire la chanson. J'ai sorti de mes poches. Pour vous enjailler ici, là, j'ai fait Kamto pour soulever la population de Kamto. Donc, tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour l'argent. Et le jour que certaines personnes vont comprendre ça, ils vont savoir que ce n'est pas le jeu. Je ne suis pas un enfant pour jouer. À un moment donné, une bonne guerre, c'est la stratégie. Si je pars au Cameroun ouvertement et qu'on m'arrête, mets seulement la main sur ta tête, tu dis que on t'avait dit non, tu voulais nous montrer que tu es grande, non. Voilà ça, on t'a pris. Je veux qu'aller dedans, pian. Donc, vraiment, parfois, ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas des gens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, pour la CAN, là, même si c'est qui me disait que tu n'entres, j'allais que faire ma part. J'ai fait ma part. Et ça, c'est ma contribution pour notre pays. C'est comme quand il fallait faire une contribution pour papa, je l'ai fait. Et j'ai dit, j'attends. Si eux, ils bagarrent à ce qu'on change le code électoral, vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. Je vais faire ce que j'ai fait en 2018 avant que les gens ne sortent. Parce que n'oubliez pas que pour qu'on vote quelqu'un, il faut quelqu'un qui doit dire aux gens aussi que voter telle personne. Pour qu'on te vote aujourd'hui, il faut des gens qui vont te soutenir. Donc, je ne suis pas dans la lancée que... Non, je n'ai pas besoin de demander le billet d'avion de l'agence du Kouat. Non, je suis une bosseuse. Mon billet d'avion, je paye avec mon argent et je pars. La mère, tu pars ou tu ne pars pas? C'est là que... Parce que ta canne, c'est dimanche. Mais je pars, ma naine, villageoise du Kouat. Je vais partir, ma naine. Ça gâte. On me prend. J'ai dit comme ça. Je vais partir. Villageoise du quoi? Je vais partir. Je te jure. Sur le crâne que je garde au village, je vais partir. À un moment donné, il faut savoir casser la glace. J'en ai marre de cette psychose. J'en ai marre de la psychose qu'on a créée. J'en ai marre de ça. J'en ai marre. Donc, je vais aller. D'accord, la mère. J'irai. D'accord, on a tous compris. Je vais m'arranger. On me prend, mais pour être à la tribune présidentielle, il faut avoir un ticket présidentiel. Tu n'as pas
Hein? Ne quittez pas les amis, comment vous allez quitter? Ouais, comment vous dites que vous allez quitter? C'est elle nous dit, non? Elle nous donne aussi ses raisons. Quand tu accuses quelqu'un, elle essaie de se défendre, non? Comment vous allez quitter le direct? Ah, elle est aussi camerounaise, non? Même si vous, même moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais je peux vous dire qu'on se retrouve à plusieurs fois sur plusieurs fronts du combat. Quand vous avez quitté le direct, souffrez aussi de l'écouter. MP, tu passes, tu pars. On va te demander de finir à la tribune présidentielle, ma mère. Je vais C'est toi qui ne aller. veux même pas parler. Je vais aller. Déjà, pour être à la tribune présidentielle, il faut avoir le ticket pour être à la tribune. On va te donner. Qui va me On peut aller. donner? On va te donner. Mais si on va donner au. Oh, pourquoi tu as mis à où? Celle-là, c'est quoi? Non, non. Non, non. Il ne faut pas mélanger. Moi, c'est ça que j'ai dit, que vous ne connaissez pas lire les choses. Il ne faut pas mélanger tout. Il ne faut pas mélanger tout. Je suis une personne très libre dans ma tête. Et j'ai toujours fonctionné avec mes moyens. Toujours avec mes moyens. Donc, je n'attends pas de quelqu'un que quelqu'un me paye le billet. Si je pars, j'ai l'argent pour payer le billet du Shabbat. Je veux que acheter, j'entre. Si en entrant, on me dit que tu n'entres pas, je veux que confirmer. Les gens qui m'insultent là, villageoise du quoi, je te dis, c'est les peureux, ma naine, on me choque, je choque. Je suis préparé. Ah. Aïe, aïe, aïe. Toujours pour la canne, MP. Non, mais Toujours pour la canne, attends. là. Tu crois que tu as quel âge? Tu as mon âge? Même si je n'ai pas ton âge, grande soeur, mais c'est toujours pour la canne Va, là que tu veux partir. On voilà. a peut-être une autre canne. Voilà. Coucou, Quelle Joseph. autre canne? J'ai attendu la canne depuis 72. Tu connais mon âge, non? attendu la canne depuis 72. Tu es sûr qu'avec la façon que ça parle, j'aurai la chance de voir une autre canne au Cameroun? Non, disons-nous les vérités. Tu es sûr que je vais voir une autre canne au Cameroun? Ah, moi là. La canne qu'il y avait, c'était en 72. J'avais quel âge? Je te demande ça à toi. J'avais quel âge? Alors, ou c'est mon pays ou ce n'est pas mon pays. Je vais casser cette psychose-là. N'en déplaise à ceux qui veulent m'insulter, m'appeler de quoi que ce soit. Je m'en fous, villageoise du Kouad. Ma naine. On m'arrête, on m'arrête. Mais Jean-Robin Guamo est parti, il est revenu. Hein. Donc, c'est aussi pour dire que les gens partent. Hein. Non, non, attends, attends, je vais t'expliquer. Hein. Si tu entres au Gabon, tu pars au Cameroun gérer tes petites affaires. Tu sors, Nayo, tu rentres. Personne ne saura que tu es là. Je mens. Non, mais non, il n'a pas caché qu'il était là. Hein. Il n'a pas caché. Hein. Il n'a pas Non. caché. Il n'a pas dit Non. caché. Bon, peut-être que lui n'a pas caché. Quand tu pars et que tu as des choses à régler, tu entres doucement, tu sors. Mais la canne, si là, ça serait ouvert, tout le monde sera vu. C'est-à-dire que là, je ne peux plus vivre dans la psychose. Je suis fatigué. Je ne peux pas. Non, ça, c'est la vérité. Depuis que les gens sont en train de me laver, je ne suis pas entré dans le live de quelqu'un. Et toi, tu sais que moi, je n'ai jamais eu, même quand tu viens sur mes posts souvent me déranger, je te dis que fiche-moi le gars avec les faux profils. Mais j'ai dit que j'entre là parce que j'aimerais que tu comprennes que le Cameroun, là, c'est notre Cameroun. Donc, ce que les patriotes disent, que on va vous suspendre, on va vous mettre le feu aux fesses, on va vous brûler vite. Ça va que aller là-bas, dans le sens là. Si c'est comme ça part comme ça. Hein? Oui. La canne de tous les grands mots. Il ne manquait plus que les activistes. Donc, un peu ça de présenter les activistes à la canne alors nous tous. Non, je Il suis vieille. Je suis vieille. n'y a pas là. Je ne crois pas Tu que j'aurai la chance de voir une autre canne. es plus vieille Non, que ta moi, je suis quelqu'une. Hein. Mais quand tu as fait le poste pour dire que tout le monde doit s'unir derrière la canne, non? Mais qui Est-ce va que c'est avoir parce ça qu'il est aussi vieux? là, on voit. Là, c'est son côté patriotique.
Hein? Maman, s'il ne part pas au stade, est-ce qu'il va empêcher les MRSistes d'aller au stade? Il ne pourra pas les empêcher. Tu crois qu'il va empêcher les gens d'aller au stade? Il ne peut pas. Il y a beaucoup de supporters de Camp Tok qui vont aller au stade. Mais si c'est que demain, là, on dit que voter et que le vote est clair, les mêmes gens-là qui sont partis au stade, là, ce sont eux qui vont le voter. Il y a les Camerounais qui aiment Camp Tok aussi, qui adorent le sport. Donc, il ne peut pas les isoler. C'est ça qu'on voit là. En tout cas, ils sont tous concentrés sur mon congrès. Je lave comme ça la patte de bœuf. Il y a qui sont au Cameroun qu'on souffle là. Vous voyez. Non. Un peu, merci beaucoup, mais Non. vraiment, tu nous donnes Oui, ma toutes chérie. tes raisons. Bonne. Non, ma il est bon. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ce. J'ai suivi dernièrement là-bas. Collins Nana, on m'a envoyé la vidéo. Collins Nana disait que je cherchais la récompense. Je voulais qu'on me récompense. J'ai dit que ce serait bête. Ce serait bête parce Ah, que il a dit. quand tu te lèves pour quelque chose, tu dépenses de tout ton argent, tu sais déjà les risques que tu prends. Je suis très libre dans ma tête, très libre. Et normalement, un artiste doit être libre. Un artiste doit être libre dans sa tête. Tu prends tes risques. Ça arrive, abarde, abarde. Donc, que les gens qui froissent leurs affaires là dans le pantalon, ils disent que non, et si elle ne se cachait pas là, c'est parce qu'elle est comme ça là. Ou bien celle qui prie dans les robes là, elle voit seulement que non, voilà la sorcière. Si elle ne se cachait pas au pays, c'est parce qu'elle avait le RDPC. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le Cameroun, c'est mon pays. Et je vais partir. Hey, tu vas, si on Merci. m'arrête, on me met dedans. Si tu veux, crie qu'on me libère. Si tu veux, tu laisses. On va que faire avec. On va t'arrêter, On va je pense qu'on va partir. t'arrêter. Non, On va attends. t'arrêter. Parce que si on ne m'arrête pas, si je pars officiel, parce que c'est là, parce que pour mon goût pousse, pour mon goût pousse, pour mon goût, c'est pas juste tout pelle. On galère pour Wouma. On galère pour Wouma, c'est Yannis, j'aime y mon. On galère pour Wouma, parce que pourquoi me jure tout est bien. On galère pour Wouma. On va pas t'arrêter la mer. Donc, on m'arrête qu'il y a les gens au Cameroun qui font plus pire que moi. Si on m'arrête, on me met dedans. Les qui sont dedans? Mais on me met dedans. Ça va encore déclencher autre chose. Où est le problème?